d'envoi qui est donné avec le Philippe Ruccio qui touche son premier ballon et qui oriente le jeu à droite vers la part de la défense de Pandimi. La tête et l'ouverture du score. C'est Jean-Paul Aoudra qui décidément n'en finit plus de marquer les esprits. La recrue justement du Racing Pandimi. Désormais du côté de l'AS Cougnier, eh bien, il vient encore de frapper sur corner. Et ça fait 1-0, John, on joue depuis 22 minutes. Gagnant. Et c'est pas, voilà. Ça passe. C'est passé pour Adrien Poitier. Et ça fait un but partout. Padoué qui est complètement à la... C'est parti pour Tigouré, la frappe. Et ça passe. Tigouré qui redonne l'avantage au sien. Et à la Escunier. Ça fait 2-1. John, il reste... Un peu moins de 5 minutes. Eh oui. Mais il va falloir... donner maintenant pour le Racing. Les lois du jeu, en tout cas, c'est parti. Bon, là, les souhaits, c'est donc Yohan Bako qui va être. Passe avec dans la surface la frappe, l'ouverture du score. Ouais, c'est signé Life Switch et c'est Yohan Bako. Comme à leur habitude, hein, dans les 10 premières minutes, ils inscrivent au moins un but. Et ben, c'est fait. Maintenant, percussion de Yohan Bako. Très bien joué. On a encore ce côté droit qui. Pas qu'il fasse très attention de la rentrée. C'est pas un latéral droit. On revoit avec la fin de frappe, le crochet enchaîné avec cette frappe intérieure du pied, la parade d'Imeot, mais finalement ça ne suffit pas. Et puis en plus, derrière un peu de moyen, ça passe. Bako. Ouh, le bon ballon, encore une fois, on est piégé dans le dos côté droit avec maintenant un retour, mais c'est Ficelle et ça fait but. Malatimana qui a enrhumé Clarence Lippi. Enchaîné. Ben, on le dit depuis le début, John. C'est vrai que dans le dos à l'opposé, on a du mal. Mais Wedge sait même vraiment en profiter pour l'instant. Il y a quand même qui est cassé. Voilà, celui-là, là. Bako, là, quel ballon. Ah, c'est Bako. Encore une fois, regardez dans le dos de la défense. Alors, est-ce qu'il y avait... Non, il n'est pas en jeu parce qu'il y avait la couverture de moi. Le petit crochet. Ils sont plus à regarder le ballon que de regarder la position des joueurs. Ça tourne à la démonstration, Jean-Marc Caoudré. Voilà. 31 minutes de jeu, ça fait 3-0. 3-0. Là, ça, voilà. On parlait tout à l'heure des deux. Voilà. C'est blindé, voilà. Du stade de Madélé. Ça fait mal pour l'AS aussi, mais sincèrement, sur cette demi-heure de jeu. Et c'est Jean de qui gêne la garde. Ouais. Et le revenir avec Drawilo. Oh, c'est bien tiré. Et voilà la réduction du score. Allez, pourquoi voilà, pas y croire. C'est bien. Faut continuer. Et c'est William Roquad. À 13e minute. William Roquad qui est. À la 58e qui redonne espoir. 3-1. Ouais, allez, faut continuer. Hein. Il y a la place. Il reste une demi-heure de jeu. Un peu plus d'une demi-heure. 13 minutes de jeu déjà écoulées. On voit donc ce but avec un coup franc bien tiré, côté ouvert et puis plein d'opportunisme. Chali pour le but du 4-1, c'est parti. Oh, dommage. Il était sur la bonne trajectoire. Il avait choisi le bon côté, mais Wachali. Tu viens à la 85e minute de jeu mettre fin aux espoirs de l'ASL. Victoire dans l'ensemble qui sera méritée quand même. Oui.